c'est moche. Bah, comme ça, c'est ça. Moche. C'est dit, ça. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Alors c'est Polo qui filme, je vous préviens, ça va être à chier. Salut! Coucou les amis! Salut, salut! Eh ben voilà, les vacances aboutissent! Ouais. Eh ouais. Comme tout les Athéniens à atteignir! Ouais, hein. Voilà! Hein? Il faut, voilà, il faut remonter pour remplir le cochon pour pouvoir repartir! Voilà. Donc voilà, juste une petite halte et puis c'est bon! Voilà! Là on fait une halte à Meymac,
C'est en Corrèze, près du lac d'Ambruja. Il y a une aire gratuite. C'est tout gratuit. Hein. Oui, les services sont gratuits. Il n'y a pas d'électricité, mais... Non, mais c'est une borne artisanale. Ouais. C'est sympa, c'est pas loin du lac. Là, on est au bord du lac. Ouais. On s'est arrêté là pour la nuit, avant de rentrer à la maison. Mais c'est super cool. Hein. Ouais. C'est près du plateau des Mille Vaches, non ? Voilà, c'est sur le plateau des Mille Vaches, parce que le plateau des Mille Vaches, il est très très grand. Voilà. Dans le parc régional du plateau des Mille Vaches, exactement. Voilà. Donc en fait, on a bien roulé aujourd'hui. Ouais, on a bien roulé. Hein? On a roulé chacun son tour pour avancer. Ouais. Parce qu'il fallait qu'on retraverse la France, parce qu'on vous a laissé à l'île d'Oléron. Et après, on a pris le bac. Ouais. On a fait le bassin d'Arcachon. On a été aux Trois Coccinelles, voir nos amis, bien sûr. Ouais, toujours super accueillis par Christophe et Sophie. Bah, bien sûr. Hein, et puis fois, Marcel aussi. Hein. Ouais, et puis Marcel, c'est avec, sûr. Avec son humour. Ouais, super. Hein. Super. Très gentil. Encore très, une très fois, sympa. Une super aire. On n'arrête pas de le dire, mais bon. Voilà. C'est un endroit où vous pouvez. Et puis, aller. On a rejoint nos autres amis. Oui. Vic, avec les enfants, Polo, avec Cathy, Canel, et puis Walter et Mumu. Et Mumu. Voilà. On était toute l'équipe là-bas. C'était super. Alors, on a passé deux jours. On est allé juste faire un tour. En attendant que Walter arrive et Walter et Mumu arrivent, on est allé faire un tour à la dune du Pinard. Ouais. Il y avait énormément de monde, comme vous pouvez voir. Voilà, exactement. C'était sympa. C'était sympa. Puis voilà. Et puis bon, bah, le bac, on n'a pas filmé. On a pris quand même 4-5 jours. On a laissé la caméra dans le sac à dos. Voilà. Hein, parce on l'a laissé dans le camping-car un petit peu. On l'a laissé un petit peu dans le camping-car parce que bon, voilà, on a quand même filmé pas mal nos vacances. Ouais, et on avait pris un peu de recul par rapport à ça. Voilà. Donc on a fait. Si, il y aura quelques images de la dune du Pila, mais ça, c'est Polo qui a filmé. C'est Polo qui a filmé. Voilà. Ouais. C'était... Donc, on a laissé un petit peu de côté ça parce qu'on a eu un petit coup de saturation. Bah ouais, surtout que c'est nos vacances. Ouais, c'est nos vacances. Donc, voilà. On a passé pas mal de temps avec le sac à dos, le drone, le truc, enfin ouais, tout ça. Voilà. Donc là, on est resté 2-3 jours sans toucher la caméra. Ouais. Par contre, on a quand même dit avec Fab qu'on ne ferait plus des directs. Non. Voilà. Plus des directs parce qu'en plus, il y a des commentaires ou des questions qui n'ont rien à faire là. Voilà, donc les directs, on oublie et puis on passe à aux vidéos habituelles. Voilà. Des directs, on en fera peut-être un petit peu sur Facebook. C'est parce que c'est un groupe privé, un groupe fermé. Et en fait, les gens qui sont là... On les connaît. Hein. Donc, on fera plutôt ça parce que les directs YouTube, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, exactement. Il y a des gens qui viennent se greffer là-dedans, qui n'ont pas grand chose à faire, pas grand chose à faire là, et puis, puis qui disent des choses, qui insultent, tout ça. Bon, ouais. C'est pas cool. Hein ? C'est pas cool. Donc voilà, les amis. Eh ben voilà. Mais sinon, ça continuera. L'acquisition de notre futur camping-car. Plus tard. Voilà, faut dire que celui qu'on était prêt à acheter nous a beaucoup déçus parce qu'on s'est arrêté dans une concession. Pour vous expliquer un peu tout, on s'est arrêté dans une concession où il y en avait plein de modèles. Il y en avait une dizaine de modèles de la même marque, là. De la finition moins bien à la bonne finition. Et on a regardé ça de très près avec Fab. Ouais. Fab a bien regardé l'intérieur, moi j'ai bien regardé l'extérieur. Et on s'est aperçu que c'était fabriqué vraiment... Enfin bon, bref, ça valait pas le prix... qu'ils en demandent. Donc on a laissé tomber cette marque-là. Ça nous a énormément déçus. On pensait pas quand même qu'ils arrivaient à fabriquer des camping-cars comme ça. Mais c'est pas grave, il y en a assez d'autres. Il y a assez d'autres choix. Il y a d'autres marques. On restera pas sans. Non. Voilà. Donc c'est de toute façon, ça, en fait, l'hiver, ça nous prive pas parce que l'hiver, on peut pas partir avec la neige. Mmh. Ouais. Donc voilà. Donc il va y avoir plein de choses nouvelles quoi. Ouais, plein de choses nouvelles cet automne et puis voilà, puis on va continuer. Alors il y a Gibson, il est là, hein, là il fait toujours son cirque là. Voilà, si je gratte. Hein, il est un petit peu fatigué en fin de vacances là. Ouais.
Hein, il va être content qu'on reprenne le boulot, comme ça il va pouvoir se reposer toute la journée. Hein, Gips? Allez, viens. Bon, bah, les amis, si ce n'est, bah, on vous mettra en description le lien Park4Night de cette petite aire où on est stationné, là, qui est gratuite. Sympa. Bon, il y a un peu de monde là, parce qu'il y a beaucoup les locaux qui viennent, vu que c'est gratuit. Mais on a trouvé de la place, on a mis la, on a mis la remorque. Pourtant, on est déjà arrivé, c'était 6h30. Hein. Oui, oui. Ouais. Ouais. Puis on a mis la remorque à côté du camping-car. Voilà. De toute façon, on va juste passer la nuit, on va casser la croûte. Puis après, on va passer la nuit et demain, on continue la route. Voilà, on redémarre pour finir ces vacances qui étaient super. Voilà. Voilà. On a passé des bons moments avec tous nos amis, que ce soit Jackie et Coco aussi, qui étaient avec nous en Bretagne. Ouais. Ah ouais. Et super. Puis tout le reste de toute l'équipe, après, voilà. Aux Trois Coccinelles, bien sûr. Voilà. Bah, le petit lac est sympa. Regardez voir. Bon, bah, les amis, on va comment ça s'appelle ? On va vous laisser. On va vous laisser. Alors, ben, encore une fois, merci de regarder nos vidéos. Puis il va falloir retourner bosser. Et il va falloir retourner bosser. Ouais, pour remplir le cochon pour pouvoir repartir. Et pour pouvoir charger les batteries de la GoPro aussi. Ouais. Pour payer les nôtres de batterie. Hein. Bon, voilà. Sur ce. Allez, sur ce, les amis. Bon, bah, alors, un pouce en avant. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce en avant. Comme d'hab. Comme d'hab. Hein. Abonnez-vous, la petite clochette. La petite clochette, bon, on n'a pas vite pour la faire, mais on n'a pas vite pour la faire. Et puis, bah, partagez les vidéos, hein. Continuez à les partager, à faire connaître et tout puis, ça. Puis, quand on est dans des airs ou des endroits, si vous êtes là, venez vous présenter. Ouais. Ça nous fait plaisir. Ah ouais, ouais. Voilà, ouais, venez boire un verre avec nous, venez discuter avec nous. Ouais. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pendant les vacances. Ouais. D'ailleurs, aux Trois Coccinelles, il y en a beaucoup qui sont venus nous voir, qui viennent discuter avec nous. Ça, c'est super sympa. Ouais. Que les abonnés viennent nous contacter, nous voir, en discutant ensemble, c'est super ça. Ouais. Ça c'est la convivialité. C'est top. C'est ça. On n'a jamais mangé personne. Hein. Non. On paye un coup, donne un autocollant. Puis on discute et on donne un autocollant, une ou deux cartes, et puis tout se passe bien. Quoi. Et puis tout se passe bien. Voilà, c'est sympa. C'est cool. Il y a un contact avec les gens, c'est ce qu'on cherche. Hein. Voilà. Quand on les voit sur Facebook ou sur YouTube, on les voit différemment parce qu'on les a contactés en vrai. Quoi. Voilà, on met une image sur un nom. Voilà, exactement. C'est sympa. Et c'était super sympa. Bon, sur ce. Ciao les amis. Ciao. Ciao, merci de nous avoir suivis. Et puis, c'est pour ceux qui continuent les vacances ou qui les commencent, bonnes vacances. Oui, bonnes vacances. Hein. Bonnes vacances, nous on rentre. Hein. Voilà, sur la route du retour. Oui, tout à fait. Allez, ciao les amis. Bye bye. Bye. Consommation moyenne sur 3 semaines. Fiat Ducato 130 chevaux reprogrammé avec une remorque, 650 kg derrière. Elle est là la remorque. Pas de conneries. Hein. Elle suit. Voilà. Consommation moyenne 10 litres 2. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je trouve que c'est très très bien. Et on est chargé. Hein. On devrait pas le dire, mais on est chargé. La soute, il y a pas mal de trucs dedans. Il y a encore les vélos derrière. Enfin, bon, bref. Voilà.